manaro filu serami fem saru bana seravi filmin serai anorai filme lagulai film serai au melola alo melola serai isaro fermeri ayo menalu churu zegaru ayo melo sera vazaro ayo melo sera mi munran segaru oh Thank you, Father. Perami wa inas kramital ferazo bien taudazen. Parabanat wa inate ikin wa ines pariden galok sarai filias man adenata balzo. La 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 Bonjour et bonne arrivée. Juste te dire une ou deux choses. Avant l'opération Babaï 2021, version Douala. Donc, partageons la vidéo ou cette annonce qui peut changer la vie de quelqu'un. Peut-être vous n'êtes pas dans la ville de Douala. Vous avez des amis, vous avez des connaissances qui sont dans la ville. Donc cette annonce, c'est pour vous, ça vous concerne dans tous les cas. Nous sommes tous concernés par cela. Nous bénissons le Seigneur pour les dons de la vie, la grâce qu'il nous a accordé d'être ici. Donc c'est l'opération Babaï 2021. À partir de ce soir, 17h, donc bon, derrière l'immeuble Kamlet, ça sera très chaud. Parce que nous disons au revoir à 2021. Et puis en même temps, c'est l'occasion solennelle pour moi de dire bonne année à la ville de Douala et particulièrement à ceux qui seront présents ce soir à partir de 17h. Ouais, parce qu'après cela, quand je vais partir, je ne reviendrai plus à Douala jusque dans un an, c'est-à-dire l'année prochaine. Et pourquoi est-ce que nous aurons l'opération Babaï 2021? En fait, c'est pour venir en finir, en découdre avec les forteresses qui nous ont menacés en cette année. La vie du croyant est une vie de guerre et de combat tous les jours. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte d'être comme des soldats. Alors qu'on lisait Éphésiens chapitre 6, la Bible parle de l'armure du soldat en Christ, parce que nous sommes dans un champ de bataille en fait, vous voyez. Il faut le savoir. Donc par la grâce de Dieu, tous les habitants de Douala sont invités à cet événement unique. L'opération Babaï 2021. Donc, supposons qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu n'aimes pas, quelque chose dans tous les cas qui n'est pas de Dieu. Comme il a dit par Jérémie, je connais moi les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Parce qu'en fait, lorsque Dieu regarde, il se rend compte que les événements de nos vies, en fait, ont été falsifiés. Donc, toute falsification de ta destinée sera rectifiée. Pendant ces deux jours, après on va aller sur Yaoundé, se préparer pour le culte des plaintes ce dimanche à partir de 7h30 à Yaoundé. Et c'est un culte tellement important que si c'est possible que tu te déplaces pour être à Yaoundé, ce sera bénéfique pour toi. Ce sera toujours plus avantageux d'être à la source ou alors vous pouvez faire votre culte dans votre assemblée locale dans tous les cas. Donc ça sera extraordinaire cette semaine. C'est une semaine à ne manquer sous aucun prétexte. Je veux juste encourager un parent à ramasser toute sa famille, tous ses enfants,
pour être présent à l'opération Babaï 2021 à Douala et au culte des plaintes, le tout dernier culte des plaintes, et en même temps le tout dernier dimanche du mois de l'année 2021. Mon ami, ça a un grand sens. C'est lourd de sens et de conséquences. Ça dit, ta présence, ton absence pourront avoir une influence parce qu'en fait, ces choses-là, il y a toujours une influence spirituelle. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Vous le savez, ça dit physique et spirituel, charnel et spirituel en même temps. Donc je voudrais juste t'exhorter, si tu me suis étant à Douala, à ne pas manquer sous aucun prétexte. La grâce du Seigneur est disponible pour toi en cette fin d'année. Le Seigneur veut te bénir, le Seigneur veut te visiter. Et donne-moi par l'opération Babaï 2021. Que Dieu te bénisse. Et le culte des plaintes à l'Éternel. Nous venons présenter nos dernières plaintes de cette année. Et les requêtes de l'année 2022. Donc tu as des sujets de prière pour 2022, des souhaits. Tu attends que Dieu intervienne dans un domaine de ta vie ou dans toute ta vie, dans tous les cas. C'est l'occasion rêvée pour toi ce dimanche 26 décembre à partir de 7h30 à la Bire. Ça sera un culte extraordinaire. Donc j'aurai ce culte-là à la Bire et Dieu va se manifester avec grâce et avec grande puissance. Donc ne soyez pas absents à ces deux grands rendez-vous. Nous avons l'Exodus Night le 31 décembre à partir de 21h à la Bire. Nous attendons toutes nos églises. Donc comme tu vis à ce programme, que le Seigneur te bénisse. Que sa gloire soit ton partage au nom précieux de Jésus-Christ. Dans le culte de plainte, et sera une occasion solennelle à ne manquer sous aucun prétexte. Je pense qu'on aura deux cultes de plainte, Yaoundé et Douala. Donc on sera à Yaoundé à 7h30 et à Douala à partir de 16h. Donc les habitants de Douala sont bénis, doublement bénis. Opération Babaï 2021, aujourd'hui et demain, et puis dimanche. Culte des plaintes à Douala encore le soir à partir de 16h. Donc Douala est tellement aimé et favorisé. Yaoundé aussi est béni et l'exclusivité, c'est que chacun doit avoir sa bouteille d'huile de faveur neuve, que ce soit au culte des plaintes ou bien à l'Exodus Night. Parce que c'est un acte prophétique fort. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu le fais au nom souverain de Jésus-Christ. Nous t'aimons et je sais que la grâce de Dieu est abondamment répandue dans ta vie. Ne manque donc pas. Ce soir, pour ceux qui ne pourront pas être là physiquement, soyons connectés à travers Facebook ou YouTube ou bien Zoé Channel Doulos FM. Dans tous les cas, sois connecté et reçois ta bénédiction. On ne sait jamais ce que Dieu a prévu. Demain ne nous appartient pas. Que le Seigneur te bénisse. Je t'aime de l'amour de Christ. Et je crois que Dieu a parlé à ton cœur et que tu ne t'amuseras point avec cela. Car la manière dont tu achèves une année définit comment tu vivras dans l'année qui suivra. Que Dieu te bénisse. Love you. Shalom, shalom, shalom.